Lorsqu'on me proposa de faire un film sur les visions mescaliniennes, je déclarai et répétai, et le répète encore, que c'est entreprendre l'impossible. Quoi qu'on fasse, cette drogue est au-delà. Même d'un film supérieur, fait avec des moyens beaucoup plus importants, avec tout ce qu'il faut pour une réalisation exceptionnelle, je dirais encore de ces images, et d'avance, qu'elles sont insuffisantes. Elles devraient être plus éblouissantes, plus instables, plus subtiles, plus labiles, plus insaisissables, plus oscillantes, plus tremblantes, plus martyrisantes, plus fourmillantes, infiniment plus chargées, plus intensément belles, plus affreusement colorées, plus agressives, plus idiotes, plus étranges. Quant à la vitesse, elle est telle que toutes les séquences réunies devraient tenir en 50 secondes. Là, le cinéma devient impuissant, d'autant qu'il faudrait toutes ces caractéristiques augmenter à la fois. Les images du film sont donc très assagies, ralenties, atténuées, simples indications des formations visuelles par lesquelles, presque obligatoirement, si la dose prise est suffisante, l'imagination de celui qui se drogue passera, qu'il soit un génie de la vie intérieure ou un homme sans problème. On n'a pas tenté de représenter l'action générale et en profondeur sur une personnalité, film qui serait tout différent, mais les types d'images que l'on rencontre communément dans ces états. Elles suffiront à montrer à ceux que l'important problème des visions intéresse combien celles-ci diffèrent de celles du rêve et d'une certaine manière de celles provoquées par le hashish, et par où elles rejoignent celles que certains malades mentaux ont rapportées tant bien que mal. Voilà la justification de cette tentative. Avant, il n'y avait rien. Après, on va pouvoir faire mieux. Quoique les visions mescaliniennes passent ordinairement, dans le plus absolu silence, ce n'est pas sans raison que la musique a été introduite dans cette partie. Elle y a un rôle. Thank you.
Thank you.
Cependant que le sujet devient apathique, béat, hilar ou agité, des images visionnaires l'envahissent, animées cette fois non d'un mouvement vibratoire mais d'un mouvement entraînant. Ce qui est démesurément allongé, ce qui est exagérément haut, ce qui fuse, jaillit, se précipite, une animation extrême, folle, irrésistible, présente ou toujours prête à se déclencher, de l'inattendu, du cocasse, de l'immense, du merveilleux, des corridors sans fin, des terrasses à perte de vue, des abîmes, des palais fabuleux, des métamorphoses incessantes, stupéfiantes, de l'insolite, surtout de l'insolite. Voilà qui est du domaine du hachis. On y entend des rumeurs, de vraies voix parfois, quelques-uns des bruits qui se rapportent aux visions, pas constamment, pas strictement, souvent décalés. De même la musique, commençant juste, se nouant bientôt, pour finir en amalgame bouffons et étourdissants. Périodiquement tout s'arrête, son et lumière, ou l'un sans l'autre, comme ferait quelqu'un pour reprendre des forces. De ce fantastique défilé, plus fugace encore qu'énigmatique, nous avons, par long tâtonnement, reconstitué quelques parties. Imparfaitement.